Des fois, Miss King, il n'y a personne qui regarde parce que des fois, il y a 3000 vues. C'est qui Miss King? Mais. Miss King, ça veut dire la honte. T'es qui ou t'es moi? Ta fille? Ta fille? C'est qui Miss King? C'est la marre, je la laisse sur le biscuit. Mais j'ai rien, mais j'ai tout. Du coup, tu présentes? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de ma maman. Donc vous l'avez jamais vu, mais voilà, c'est ma maman. Donc aujourd'hui, on va vous faire, bon, vous voyez, il y a plein de déco automnale. Donc on va vous donner des inspirations de décoration à faire en famille, le dimanche avec vos enfants ou vos parents. Pas du tout. C'est pas possible. On a plein de choses, on a aussi des coloquintes. Des coloquintes, oui. D'accord. De toutes les couleurs, de toutes les formes. Exactement, de toutes les formes. On va vous donner des petites inspirations. C'est parti. Comment on fait pour choisir les genres? Bah, franchement, ça dépend si on veut les mêmes. Je suis sympa, hein, je te demande. C'est un mois donc. Je choisis. Ok. Les grosses pour ma fille. Ça correspond à la corps plus long. Je rigole. Des feuilles peut-être aussi. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de petits visiteurs parce que sinon, un blanc ou noir. Mais on n'avait jamais vu. On avait jamais vu un petit canard. Du coup, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Ça fait tout de suite très automnal avec les feuilles, les marrons. Qu'est-ce qui fait encore automne? La cannelle. Ah oui, les bâtons de cannelle. Les bâtons de cannelle, les oranges séchées. Ah oui, j'ai fait sécher des oranges. Je vais aller chercher. I'm gonna take it. Oh, merde, c'est beau. Bah ouais, ça fait beau. En fait, les petits glands, j'ai réussi à les accrocher sur les côtés. Ce qui est sympa, c'est changer les couleurs. Ouais. Par exemple, un peu de rouge, un peu de noir là-haut, ça pourrait être pas mal. Ça donne envie de manger des marrons glacés. Peut-être un peu, regarde, j'ai une petite noisette, non, c'est fait. Non, c'est bien. Voilà le résultat de, je sais pas combien de temps on a mis, mais de cette petite heure de travaux do it yourself. Non, en vrai c'était sympa. Du coup, un peu piquant. Ouais, c'est vrai. Celle-là, on a fait ensemble. Avec le reste. On a essayé un peu de mélanger les couleurs parce qu'on s'est dit que ça rendait mieux. Oui.
On a un peu mis tout dans chacune. Au début, j'avais pensé à faire une avec que les... Coloquintes, je vais y arriver. Et finalement, en fait, c'était plus beau de tout mélanger. Donc, on a vraiment tout mélangé dans chacune. Là, on va les mettre un peu... Enfin, on va les faire vivre dans le salon, ça va être sympa. Pour cet automne. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire ces petits DIY. Et si vous les reproduisez, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. On vous fait plein de gros bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao, ciao.